Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la mobilité du dos. Pour tous les exercices, j'utilise les musiques de l'album Rendez-vous avec la danse de Nolwenn Colley. Je vous mets le lien de son site internet en description pour pouvoir acheter ses albums si vous le souhaitez légalement. On aura besoin aujourd'hui d'une chaise, donc pour s'asseoir dessus, et aussi du dossier de la chaise pour pouvoir s'étirer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications, ce qui vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à noelie.coutis pour des sondages, d'autres photos et vidéos et pour être au courant un petit peu plus rapidement de tout ce qui va se passer la semaine suivante. On y va pour ces exercices sur la mobilité du dos. On va commencer par un premier exercice sur la chaise. Donc on va se mettre au bord de la chaise, sur les ischions, le dos droit. On essaye de l'allonger, le ventre tenu avec les côtes détendues. Et on va ouvrir les pieds à largeur de hanche avec les orteils qui vont être soulevés. Je préfère qu'on les soulève pour éviter de s'accrocher au sol et d'avoir vraiment l'appui au niveau du bas des orteils. Et on va enrouler la tête, doucement aller vers l'avant et dérouler. Puis en arrière, lentement, les mains sur les cuisses. Sur un côté, revenir, toujours avec le ventre qui est tenu, et de l'autre côté, et revenir. On va faire ça deux fois. Puis après, on va aller plus loin en lâchant les bras. Donc j'enroule et je vais aller plus loin, le dos rond, et revenir en déroulant tout doucement la colonne vertébrale et cambrer. Et revenir, et d'un côté, le plus bas possible, revenir de l'autre, toujours très lentement et en musique. On le fait aussi deux fois. À la fin, on va attraper ses mains et étirer son dos le plus droit possible. Donc on va sortir d'abord les côtes, puis au fur et à mesure, on va essayer de rentrer les côtes, de descendre tout en ayant le même étirement. Pour qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas obligé de cambrer pour s'étirer et les côtes ont un impact sur la cambrure aussi. On y va en musique. Et on enroule. Et déroule. Cambré. Et revient. Côté. Les bras et un peu plus et déroulez et cambrez et reviens et côté et de l'autre côté encore et en haut. Soufflez. Bien. Donc pour ce deuxième exercice, on se met dans la même position avec les mains. Puis on va faire des versements de bassin et puis un peu des rétroversions. Donc toujours pour essayer de mobiliser au niveau des lombaires. Donc imaginez vos os de hanche qui vont se déverser vers l'avant et qui vont revenir par en bas. Et en haut et en bas. Donc on va faire ces mouvements-là plusieurs fois pour commencer. Alors essayez, hein, entraînez-vous pour commencer. Donc imaginez vos os, vous allez par-dessus les os de hanche et en dessous. Et par-dessus et en dessous. Et on va faire ça plusieurs fois, vous allez voir que ça va libérer aussi la mobilité des lombaires. Donc on va faire ça plusieurs fois.
Puis après, on va rajouter une torsion, 2, 3, et reviens. Et torsion, 2, 3, et reviens. Donc on va s'aider avec la main qui va venir à l'opposé. Donc la main gauche va venir sur le genou droit ou inversement. Donc en avant, reviens, en avant, et on revient. Et pareil de l'autre côté, en essayant de garder ce rythme de versement et d'ajouter une mobilité en haut de la colonne vertébrale. On y va en musique. Et d'abord simple, et en 1, et on déverse, et encore. Donc on ne fait pas attention aux fesses, on va juste faire attention au déversement. Et encore. Et on fait une torsion. Et on revient. Et de l'autre côté. Encore. Et on essaie de garder vraiment les os parallèles et de face. Et de l'autre côté. Et finissez. Bien. On va le refaire une fois. Et cette fois-ci, on va aller allonger le bras. Donc, on refait devant pour vraiment sentir, parce que c'est normal si on ne le sent pas dès la première fois. Mettez-vous vraiment de plus en plus proche de la chaise, vous n'allez pas tomber. Et n'oubliez pas, les orteils sont soulevés. Et on va de plus en plus loin en essayant d'avoir ce versement. On s'aide aussi au niveau des talons. Puis là, on va aller ajouter le bras et de l'autre côté. Toujours en gardant ce mouvement. Alors, ça paraît vraiment très subtil et on n'a pas l'impression de faire grand-chose, mais ça travaille énormément. Donc c'est normal si vous êtes fatigué et pour la concentration, et vous allez sentir votre dos et vos hanches bien échauffées. On y va sur la même musique. Et on y va. Et un, et reviens. Et utilisez les abdos. Et back. Et on ajoute un pas. Et de l'autre côté. Et encore. Et encore plus loin. Détendez les jambes. On continue. Alors c'est important aussi d'avoir la jambe à 90 degrés. Donc les mains sur les genoux, on va faire des vagues lentement. Donc pareil, je déverse, je vais loin. Et je reviens par le bas du dos, les vertèbres et un petit peu plus loin pour revenir droit. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand on est là, on va loin. Puis après, c'est comme si ici on aspirait, on va un peu plus loin pour pouvoir revenir droit sans cambrer. D'accord? Donc on va faire ça 4 fois dans ce sens, donc aller loin. En s'aidant, on peut s'aider des paumes de main et des talons pour revenir droit. Donc là, l'important c'est de faire attention quand on va loin, arrondi, de revenir sans cambrer. Donc poser les côtes détendues. 4 fois par l'étirement, puis 4 fois on va enrouler d'abord en bas, derrière, puis devant. Et là on va s'aider pour aller droit, mais pareil sans cambrer. On va dans un alignement et ça va être subtil parce que je peux être très cambrée ou pas. Donc là, droit et on va revenir un petit peu plus derrière pour faire les vagues dans l'autre sens. Donc 4 fois aussi lentement. Puis on va finir par s'étirer en aidant donc la main, la paume de main sur le genou extérieur et faisant une torsion avec le bras. En respirant bien de chaque côté 2 fois. Respirez et là c'est vraiment
lentement pour essayer de sentir tout ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. On y va. Et on inspire bien. Et loin, je déverse. Et j'enroule. Et allez loin, expire. Continue à mobiliser le dos en ajoutant les jambes. Donc, on va rester d'abord, on commence les jambes pliées, puis on va allonger une jambe en tournant du côté de la jambe qui allonge. Et on revient. Et on allonge de l'autre côté, on tourne. On revient. On va faire ça 8 fois. On revient. Au bout de 8 fois, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tendre la jambe opposée. Enfin, on va allonger la jambe opposée et on va tourner de l'autre côté. Donc là, il va falloir bien réfléchir avant de commencer. Et on va faire ça aussi 8 fois. Puis on va inspirer et on va, en inspirant, on va pousser les coudes derrière. Et cette fois-ci, on va vraiment cambrer, vous allez voir. En regardant en haut, essouffler dos rond. En repoussant avec les dessus des mains. Et je pousse, j'inspire et je souffle. Et je pousse les coudes et on va faire ça plusieurs fois. Donc toujours sur le bout de la chaise et on y va. D'un côté, on va commencer les jambes qui s'allongent en même temps je tourne. En torsion, reviens. Et on revient toujours par le centre. 8 fois, puis inversement, c'est la jambe opposée qui va s'allonger au moment opposé à ma torsion. Et après, j'inspire, je pousse mes coudes en arrière. Et je souffle, je pousse mon dos en arrière. Donc d'abord les coudes, je cambre. Et après, je fais un dos rond. On y va en musique. Sur une basse. Et on tourne. Et reviens. Et de l'autre côté. Et reviens. Et encore. Poussez bien dans le talon pour allonger. Et tournez. Encore. Et on va de plus en plus loin, toujours sur les ischions. Et reviens. Et on change. Jambes opposées, et reviens. Et jambes opposées, poussez bien dans le talon pour éviter que le bassin bouge. Et reviens. Et reviens. Encore. Et tourne. Et reviens. Détendez bien les épaules. Et tourne. Et reviens. Et tourne. Et reviens. Inspire. Inspire. Et souffle.
et aspire quand et souffle. Et coude en l'air et pousse. Voilà. Et souffle. Et dernière fois. Et bien. Cette fois-ci, on va se mettre on va utiliser le dos de la chaise. Donc, on va mettre les paumes de main au niveau du haut de la chaise. Et on va essayer de se mettre en perpendiculaire le dos plat. Donc, on s'aide des bras. Les jambes sont un petit peu écartées, mais pas trop non plus. Et on va inspirer et souffler. On va d'abord plier une jambe et étirer un maximum le dos. Et l'autre jambe, et revient. Et on plie, revient, et on plie, on revient. On va faire ça 8 fois. 6, 7, 8. Ensuite, on va plier et pousser dans le bras opposé à la jambe qui plie, puis pousser et aller étirer le côté opposé. Donc aller plus loin dans la torsion. 8 fois aussi. On va faire la même chose sur demi-pointe, 4 fois, plus lentement. Reviens. Et on étire avec la demi-pointe, étirer 4 fois. Puis on va replier un port de bras, couronne dans un sens, puis dans l'autre sens. Et on respirera. C'est parti. Et plier une jambe. Et l'autre. Et respirez bien. 3, 4 et 5, 6. Et avec les torsions. Et l'autre jambe. Allez plus loin. Et pliez. Et porte de bras. Et on ouvre. Et dans l'autre sens, porte de bras. Respirez. On va le refaire une fois pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise. Et on y va. Et un genou. On essaye d'avoir la nuque alignée au bras. Et 5, 6 et 7. Et pliez. Torsion. Avec la tête. 'Position comme on le sent à son rythme. Donc moi je vais vous donner un rythme qui me paraît bien personnellement, mais si vous en préférez un autre, au bout d'un moment je laisserai sans trop indiquer. Donc on va se mettre d'abord donc dans la même position que tout à l'heure, avec les mains sur le dos de la chaise et dans une perpendiculaire au mieux qu'on peut, et on va plier les jambes, arrondir le dos, aller loin devant, poussant bien dans les mains et dans les talons pour étirer, puis on va plier encore bras et allonger et plier, je cambre et je reviens en allongeant un peu plus devant et plier. Donc ça on va le faire plusieurs fois, 4 fois, et après on va le faire dans l'autre sens. Donc je plie dos rond et je vais allonger encore bras et plier. Et allonger plusieurs fois aussi. Puis on va venir rapprocher, enrouler sa colonne vertébrale
plier, allonger, plier, prendre ses coudes pour aller un peu plus loin, dérouler tranquillement. Pour ça, on va rester vraiment dans les positions. Donc, je redis au niveau des vagues. Donc, on commence à allonger. On va plier pour arrondir, aller vers la chaise en poussant droit et cambré, je plie. Et je rondis et je pousse, allonge. Inversement, donc ça sera plié, arrondi. Et quand je vais pousser les fesses, je vais cambrer, aller loin dans l'extension. Et revenir par le bassin plié et allongé. Essayez de voir au niveau des vagues. C'est pas forcément évident, mais vous allez le sentir au bout d'un moment. On y va avec la musique. Pendant tout l'exercice, respirez bien. Et encore on plie. Et on récupère son bassin, on allonge. Et on peut faire dans l'autre sens si vous l'avez fait 4 fois. Respirez bien et on soulève. Faites-le à votre rythme. Moi, j'aime bien le faire en continuité. Respirez bien. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous sentez mieux au niveau du dos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos sensations, si vous avez l'impression de ne pas en avoir fait assez ou justement que c'était très intense pour vous et selon votre niveau également. Merci beaucoup Nalouane Collé pour toutes ces musiques. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et puis en attendant, n'hésitez pas à faire votre choix parmi les playlists que j'ai faites et puis plein de vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. À très vite !